Si on est dans une zone de contrôle de classe C, ça va être émis sous forme d'autorisation. Le contrôleur va autoriser le pilote à aller à un point quelconque ou à joindre un circuit ou à traverser la zone de contrôle. Pour entrer dans un espace aérien de classe D, ça prend simplement une communication bilatérale avec le contrôleur. Si vous n'avez pas de réponse du contrôleur, n'y pénétrez pas. Attendez la réponse du contrôleur.